Ah, mes débuts, c'est des camions. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour avoir les passagers qui montent dans votre bus et l'espèce de petite zone qui apparaît pour vous dire, voilà, tu dois garer ton bus ici. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, il y a une image de Truckers MP qui est arrivée, qui rajoute le support des bus, parce que oui, maintenant sur Truckers MP, on peut conduire des bus, on peut aller dans ces espèces de gares routières à gauche à droite sur la map. Et il faut savoir que malheureusement, Truckers MP, si vous ne mettez pas le débus client, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir prendre des voyageurs, ni avoir les points d'apparition, ni choisir la ligne que vous voulez. Alors, comment utiliser justement débus client? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. La première étape, c'est d'aller sur débus World. Vous aurez le lien dans la description. Vous vous connectez. Voilà, hop. Vous vous connectez avec Steam. Puisque oui, le site va se mettre en relation avec votre compte Steam. Donc, voilà, moi, j'ai déjà encodé tout ça. Voilà, ça c'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Si ça vous met ce message, ben voilà, vous recliquez et vous refaites se connecter, c'est tout à fait normal. Voilà, bon moi. Ouais, il faut encore que je remette mes identifiants. Hop. Voilà. Donc, moi étant donné que j'ai déjà téléchargé, enfin j'ai déjà roulé un petit peu, vous pouvez voir vos statistiques que vous avez fait depuis que vous avez activé le client. On va voir dans quelques instants comment activer le client et comment s'en servir. On va voir, c'est très simple. Donc, sachez qu'avec le débus client, vous pouvez faire votre entreprise, vous pouvez engager des gens qui travaillent pour vous. Et les gens qui vont rouler sur Truckers MP avec le débus client activé vont pouvoir vous rapporter de l'argent. Vous allez voir les trajets qu'ils ont faits. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, ma compagnie. Voilà, vous voyez qu'ici, il n'y a que moi dans notre compagnie, ce qui est assez normal. Donc, map, il est où? Voilà, pas cette map-là. Donc, il faut savoir que le débus client n'est pas compatible uniquement que avec la map de Truckers MP. C'est aussi compatible avec plein d'autres véhicules. Et je vois qu'apparemment, on peut avoir la dernière localisation d'une personne qui a roulé pour votre entreprise aussi. Ça, c'est stylé. Donc, il gère tout ce qui est Grand Utopia, ETS, la map de base, ProMod, Grundorf, parce que oui, il y a une map de Grundorf, et Hover, ça, je sais pas ce que c'est, ça, par contre. Voilà, donc. Ensuite, tant que je suis à vous parler un petit peu du débus client, alors je vais vous montrer, je sais pas si on peut voir. Je sais pas du tout si on peut voir. Non, c'est pas ça. Voilà, et voilà. Et vous pouvez voir à peu près la quantité de passagers qui ont été transportés. Voilà, regardez, c'est extrêmement précis parce que vous pouvez voir tous les déplacements, vous pouvez voir qui a fait le service, quand, combien de passagers il a pris, le retard, l'avance. Non, c'est vraiment extrêmement complet. Voilà, donc pour télécharger le débus client, une fois que vous êtes connecté sur cette page, voilà. Ah ça, ouais, compagnie moi que c'est vous ça. Donc pour télécharger, vous faites download. Donc je vais pas vous faire l'affront, moi je l'ai déjà téléchargé. Et vous aurez juste, c'est juste un point MSI. Vous aurez juste à faire un double clic dessus. C'est comme un point exe, ça fonctionne pareil. Donc moi je vais passer au débus client. Donc le débus client fonctionne comment? Hop, tu cliques, tu l'ouvres, tu te connectes avec tes identifiants. Bon, moi c'est ça. Et c'est ça, hop. Et voilà, il va y avoir une petite fenêtre comme celle-ci qui va apparaître. Donc, donc dans la liste, tu prends Truckers MP bus route. Tu choisis la ligne de la ville la plus proche où tu es. Par exemple, je sais pas moi. Imaginons que tu pars de... Allez, Bastia Bonifacio par exemple. Non, non, je l'ai pas cette ligne. Je regarde un petit peu. Par exemple, Liège-Paris. Voilà. Alors, une fois que tu as pris sa ligne, tu as juste à faire Start. Et ça va tout faire autre. Alors... Avant de lancer le start, vous devez lancer Eurotruck, vous devez être connecté à votre session sur Truckers MP. Et une fois que vous êtes connecté à votre session sur Truckers MP, vous êtes arrivé bien sur le serveur, vous appuyez sur start et c'est parti. Vous allez avoir la mini-carte qui va apparaître, qui va vous guider vers la gare routière où vous devez démarrer. Vous allez avoir toutes les indications qui vont apparaître. Donc, sachez que vous pouvez aussi faire apparaître les horaires, faites Show Timetable. Donc là, ce sont les heures avec les horaires du jeu de Eurotruck. Hein. Voilà, donc par exemple, si entre Liège et Reims, vous avez 2h30, voilà, c'est 2h30 dans le jeu. Voilà. Et vous avez l'annonce vocale qui vous dit The next stop is, this bus terminates here. Et c'est seulement quand vous avez fini toute la ligne entière que vous pouvez avoir de l'argent et des passagers. Voilà. Donc, je vous propose maintenant pour vous montrer concrètement dans les faits à quoi ça ressemble. Voici maintenant une petite transition, le temps pour moi de lancer Eurotruck et je vous retrouve juste après ça. Alors une fois, si le débus client est bien activé, vous allez avoir la petite fenêtre ici, qui s'appelle le débus world qui va apparaître. D'ailleurs, il vous dit, vous devez activer la ligne. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, je vais revenir dans le jeu. Donc hop, je lance ma ligne, Liège-Paris, hop.
Et voilà. Le jeu vient ici de. Le début client vient de générer ici. Allez, tu veux lancer le bus. Le début client ici vient juste de lancer le petit itinéraire. Voilà, gare routière, vous devez démarrer. Donc nous, on démarre de Liège, on va à destination Paris. Hop. Et je vais vous expliquer, une fois qu'on arrive à la gare routière, comment faire pour configurer les portes. Voilà. Puisque c'est un super tuto, donc je vous explique tout ce qu'il faut savoir en une seule vidéo, parce que j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à faire fonctionner cette fonctionnalité. Vous allez voir, elle est très simple à utiliser. Vous n'allez pas avoir les nombreuses lignes de texte à faire. Ouais, bon, je roule un peu vite avec le Blue Bus. Alors, pour l'instant, il n'y a que le Blue Bus de disponible, et c'est dommage. Ah, il me dit que je dois me mettre là où il y a le bus. Attendez, c'est pas grave, je vais faire demi-tour. Hop. Alors, en haut à gauche, vous avez donc la ligne que vous faites, le prochain arrêt, l'heure d'arrivée estimée et le nombre de passagers. Puisque quand vous débarquez les voyageurs à un arrêt, vous avez le jeu qui vous dit combien de passagers montent et combien descendent. Donc, on va attendre un petit peu que lui devant, il avance. Alors, comment faire pour configurer les boutons pour ouvrir les portes? C'est extrêmement simple. Vous allez dans les options, vous allez dans clavier et boutons et vous descendez jusqu'à peu près ici. Les quatre zones ici. Ouvrir la vitre de droite, fermer la vitre de droite, ouvrir la vitre de gauche et fermer la vitre de gauche. En gros, la vitre de gauche, c'est les deuxième et troisième portes. Et la vitre de droite, c'est la première porte. Après, vous configurez un petit peu comme vous voulez. Mais voilà, au secondo, c'est comme ça qu'on ouvre des portes. Super, il est parti. Voilà. Donc là, je vais me mettre en place pour prendre mes voyageurs. Wow, j'ai un petit peu mal géré là. Mais bon, voilà. Oui, bon, faut bien se mettre dans la zone. Voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir mes portes et vous allez voir les passagers qui vont monter. Regardez. Voilà, voyez les passagers qui montent. Et de toute façon, vous allez avoir un message sur votre GPS qui va vous indiquer lorsque les personnes seront toutes montées à bord. Je vais vous montrer une autre vue, voilà. Vous avez tous les passagers qui montent tranquillement à bord. C'est pas génial, non? Alors par contre, c'est juste dommage qu'on a que le Blue Bus pour l'instant dans le jeu. Et c'est bizarre qu'on n'a pas des véhicules comme les Vadis ou les... Voilà. Donc on attend que le jeu nous dit go. Parce que le jeu va nous... Voilà, ça y est. Voilà, le jeu vous dit le prochain arrêt. Et quand le jeu vous dit c'est bon, tu peux partir, t'as chargé tout le monde. Vous avez un petit message sur le GPS qui apparaît. Et le jeu vous rappelle quelles sont les touches configurées pour la gestion des portes. N'est-ce pas magnifique? Voilà. Allez, bon. Allez, on va quitter un petit peu la gare routière. Alors, sachez que... Oups! Il a un petit peu pas pris la bordure. Oh, mais il fait quoi avec son bowling, là? Là, je vous dis, il y en a sur Trucker ZMP, c'est des fous, hein. Et bien voilà, voilà donc qui va donc conclure ce tutoriel. Alors sachez qu'avant de partir, sachez que vous pouvez créer vos propres lignes, vos propres circuits sur la map. Il y a un tuto sur le site de Truckers MP qui vous explique comment faire. Bon, j'ai pas encore tout compris. Quand j'aurai compris comment ça fonctionne, je ferai un tuto. Mais en tout cas, j'espère que mon petit tuto dans lequel je vous explique comment avoir des passagers sur Truckers MP vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres aventures. C'était Techmons, à vous les studios. Bye!